On est mercredi, c'est Rétro Guide et ouais, et là on part. On part en 1999 par l'éditeur Konamiche et ça c'est beau et vous avez vu ce que c'est. Et bien si ça vous dit rien, et bien vous faites partie des gens comme moi qui ne connaissent pas ce jeu. Alors c'est un jeu action-aventure. On joue Kotaro qui revient dans son village natal pour se recueillir sur la tombe de son oncle, tandis que Lynn arrive dans le même village, à la recherche de son frère. T'as vu le drama, déjà c'est posé, hein? Une sombre histoire de zombies vient alors se greffer, entraînant nos deux nippons dans une bataille contre le mal. Des zombies? 1999? PlayStation 1? Resident Evil? En tout cas... Ça annonce du lourd, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner là par contre. C'est un jeu, ça fait comme certains jeux que je vous fais découvrir. Je ne les connais absolument pas, mais bon écoutez, on va découvrir ensemble. Peut-être que c'est une pépite, peut-être que c'est une merde aussi, hein. Ça c'est pas impossible. Alors, c'est parti, on se met en position. Oh, c'est bon, écrit Konamiche. Oh, j'ai perdu une manette, alors frein, c'est... Elle est perdue, c'est-à-dire. Ma manette pro qui tombe en ruine, dis donc. Attends! Merde. Et attention! Eh ouais, je coupe. Parce que. Hop, on va peut-être monter un petit peu. Voilà, là on est open. Ouais, c'est beau. Allez, c'est reparti. Attention! Ah putain, s'il y a des zombies dans ce jeu avec une telle musique! Mais ça déboîte cette musique, oh putain. Ah ça c'est de l'intro, j'adore. On en veut. Il y a des bruits de... Oh c'est beau. Oh putain, on a peut-être le meilleur jeu compté. Putain, par contre l'écriture... Non mais... Ou de l'effet. Alors s'il y en a qui se demandent, ah effet, ah oui d'accord, effet sélectionné, effets spéciaux couleurs. D'accord. Moi pas comprendre. Moi. Bon. Alors nouveau jeu. Allez, mardi. On est fou. Allez c'est parti. Alors la musique de départ était excellente. J'espère que ça va durer. On est en 1999, hein, je rappelle. Hein. Ah, ça va, elle est pas. Ah, on est proche d'un siphon filter pour le côté perso là. On va jouer peut-être la demoiselle. Oh non, non, gros. Oh non, dis donc, gros lire. Des grands contre une enfant. Des grands contre une enfant. Tiens, petite, prends ma main. Ok, la traduction, je sais pas si elle est pas un peu foireuse ou c'est moi qui ai pas compris là. Des grands contre. Oh, vite! Tiens! Oh, sorry! Attends, sorry! Alors le port attendez, c'est combat.
Oh, j'ai paré. Entends. D'accord, donc c'est des zombies samouraïs. Ok. Je ne vous connais pas. Et je n'ai pas demandé votre aide. Voilà, j'aime parler brut, c'est tout. Ah merde, non, c'est... Oh putain. Mais dis-moi pourquoi la loi... Attends, c'est qui la fille? Céline. Désolé, mais je n'ai pas le temps de papoter. Je sais pas qui est la gosse, c'est ça. Putain, ils ont la boule. Hein. Je dois filer. Oh non, je vous reverrai peut-être un jour. Ok, j'ai... Ah, ça vous met l'action. Bon, forcément, je suis désolé, messieurs, mais on est obligé de jouer Eileen, quoi, c'est, je veux dire... Alors, je dis désolé, messieurs, mais mesdames, surtout, mesdames, c'est si... Mais bon, il y a très peu de femmes qui regardent des let's play, surtout d'inconnus. Un vaisseau chargé de l'or du shogun a disparu. Shin, un ninja, a été dépêché pour enquêter. Quand le contact a été rompu, le shogun a envoyé trois autres espions qui ignorent la présence d'un quatrième ninja. Lin, la sœur cadette de Shin. Ah, c'est tout. Moi, je m'entendais une suite, autant pour moi. Bah, ça commence lourd, hein. J'ai été inefficace. C'est bien la peine d'être un ninja. Bah ouais, je suis une femme. Mais, oh, peut-être bien mettre mon frère. Oh putain, encore de... Je trouverai peut-être des indices sur le transporteur. Encore de l'inceste. Oui, forcément, quand ça parle de frères et sœurs. Ok, donc on peut faire un saut. D'accord, ça fait un double, ça fait un espèce de double. Shuriken! D'accord, Y, c'est pour dégainer son arme. D'accord, herbe, donc les herbes, je présume, c'est pour... Et on a des kunai. Ok, bon, on va dégainer l'arme. Ah non, peut-être pas, parce que sinon elle va marcher lentement. Eh, il n'y a pas de... Enfin, d'animation si dégueulasse que ça. Hein. Est-ce qu'elle peut courir? Ah oui, effectivement, elle peut courir. Bon, d'accord, elle court ridiculement. Mais bon. Oui, carte, parce que je suis perdu. Bah alors c'est par là alors. Je peux pas... Et c'est chelou, c'est pas ça. Ça c'est... Ah, ou alors il faut peut-être aller... Bah non, c'est de là où on vient. J'ai marre de ces jeux, pas logique. Si elle vient de là, pourquoi on y repartirait? Tiens, le civil! 20 sur 20 le jeu. 20 sur 20, c'est bon, achetez-le. C'est énorme, on peut tuer des civils, c'est cool. D'accord, ça sert de sauvegarde. Ok, bon bah... Oh, bon, pour l'instant, c'est de la découverte. Bon, j'avoue... Ah bah, forcément, il fallait bien qu'il y ait... il fallait bien qu'on traduise qu'à moitié le jeu. Le côté où on peut tuer des civils, j'adore. Oh, ça respawn. Oh, oh. C'est pas moi. D'accord, ok, donc... est-ce qu'on peut leur parler? Ah, tu souffres de maux de tête? Attends, attends, dès que je te... Tiens. Et là, t'as encore mal. Dieu, bouffe mes boots. Ah, mais putain, j'adore comment elle se bat. Au revoir. Je dois recueillir plus d'informations. Ah bah oui, d'accord, donc il faut peut-être pas que je les tue. Attendez. C'est bon, je dégaine. Madame ? Ah, tu veux pas parler, forcément.
Ah mais c'est énorme de pouvoir tuer. Ok, j'ai fait un rêve étrange. Antidote. C'est... Moi je croyais que c'était un poulet. Hein. Je suis désolé, ton antidote, il ressemblait à un poulet. Hein. Ok. Bon, pour l'instant, je fais un peu au pif. Hein. Je... Bon, les gens, ils se déplacent. Bah, écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est mal. Ok, donc c'est pas par là. Surtout que moi, j'ai du tranchant. Ah, il mourra. Bon, ben, on va aller par là, t'as. Bon, en fait, la musique, elle est un peu chiante. Hein. Tant mieux, alors on y va. D'accord, c'est pas par là. Bon. Bon, le jeu est pas dégueu. Hein. Enfin, après, les villageois, qui... comment ils se déplacent, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Mais je trouve que c'est assez trippant, en fait. Bon, après, je présume qu'ils racontent toujours les mêmes trucs. C'est ça. Bon, je leur parle tous, parce que, bon... Donc il faut peut-être tous leur parler, hein. Bah toi, je t'ai tué. Ah. Ah bah putain, j'ai tué... En fait, j'avais tué le bon mec. Ok, donc on sait où il faut aller. Ok, bah cool, parce que moi, je sais pas où il faut aller. Alors, est-ce que c'est par là? Ok. Ok, il faut aller... Il faut trouver le sentier qui mène à la mer. La mer. On va danser. Est-ce que ça m'indique la mer? Bon bah je présume que la mer c'est à droite. On dit toujours que la mer est à droite. Ça c'est le chatoun. C'est la mer. Mon frère Shin. Shin. Oh non, c'est le nom du héros. Enfin de Sébastien Seb du grenier, son personnage dans Aventure. Adeline, n'abandonne pas si facilement. Mes grands frères, avec un triangle. Nous voulons devenir Alfred. Nous devons être trouvés parce que le maître a vu notre potentiel. Lève-toi, Aline, tout n'est plus d'un pas. Oui, je ferai de même mieux, Shin. Mon accent chinois est toujours aussi parfait. Enfin, chinois, jap, ça fait toutes les langues. Là, nous tombons tout pour aujourd'hui. D'accord, Shin, rentrons. Et prenons un bain ensemble. Ils sont ici de coquine. Bon, en fait, j'ai appuyé sur Select sans le faire exprès, hein. On est amouraille. Oh. Oh. Putain, mais elle est plus forte que le mec. Tiens, dans la bouche. On est tout week-end. Shuriken. Tang, 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 tang. Oh. Ouais, en fait, c'est un peu pété. Il suffit de maintenir la touche de contre et de taper en même temps. Herbe curative. Oh. Oh. Bon, les combats sont pas ultra passionnants, non. Oh, tiens, contre. Tiens, dans la bouche. Ninja. Ninja. Non, dégaine. Eh ben ouais, voilà, c'est ta faute. Ah, t'es vraiment conne, hein, ma parole. J'adore, c'est comment elle se déplace, par contre. Oh! Ah non, merde. Une herbe curative. Comment on fait déjà B? Hein? Merde, ah mais non, je me gourde tout. Une rouge. Peut-être qu'on peut faire des combinaisons. Tiens. Oh, ça y est.
Atchaï! Tiens! Esquive! Autodang! T'envoie ma culotte! La peau cachicho? Oh, c'est le maxi shuriken! Mais c'est énorme! Alors? Ah non, les rouges, c'est l'antidote. Hanzo? S'il est blessé? Hein? S'il... Ou alors, c'est il est blessé? Il ne bouge pas? Lune, pourquoi t'es venu? Oh, c'est là que tu te caches, chienne de shogunat? Je fais toujours la même voix. Oh, une autre ninja, ça tombe bien. Ça fait mal à la gorge. Merde! Oh, mais ça s'est transformé en combat de boss! Bon, apparemment il veut pas me laisser enculé, mais qu'est-ce que c'est? Tiens! Oh! Ah, d'accord, en fait, ouais, il faut que je tue le boss. Mon dieu! Attends deux secondes. Oui, attends. Tiens! Ah merde, mais ça touche pas! Oh non, arrête! Oh enculé, mais c'est hyper dur! Tiens! Mais. En fait, je balance au pif. Je sais pas ce qui se passe, les enfants. Il se passe des trucs. Le boss me contre. Putain, mais c'est... En fait, c'est chaud. Tu portes un masque. Tiens. Merde. Non. Ah, il paraît que j'ai appris un nouveau truc. Oh, oh, le contre. Alors en fait, bon, je l'avoue, il y a une touche pour taper, donc c'est X pour ma part. Je martèle et les coups spéciaux s'activent tout seul. Hein, donc j'ai appris un nouveau truc qui va se faire tout seul. Une minute, Hanzo. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous savez que nous étions ninja dès le début. J'ai encore changé de voix. J'ai été attaqué dès mon arrivée. Pourquoi? Le fief est responsable de la disparition de navire. Il en avait besoin de beurre. À quoi leur sert l'or? Gano s'occupe de ça. Ken cherche le maître. Ken? Gonzo et Ken. Sont-ils ici? Au moment du temps. De départ, ils ont dû trouver des indices. Et toi, Hanzo? Certes, le sabre, le rakio qui a été dardé avec l'or. Du costume et mes papiers dans le refuge. J'y vais, Hanzo, tiens bon. Lune, maître, Shishin. Shin? Qu'est-il arrivé à mon frère, Hanzo? Zimmer. Ah putain. Je suis désolé. Je gâche un jeu qui, je suis sûr, est pas mal, hein. Enfin, moi, je me régale. Hanzo, c'est promis. Je vengerai ta mort. Ou pas. J'ai pas que ça à foutre. Je dois trouver mon frère. On n'a pas pris un bain. Ah, c'est excellent. Bon, après, le combat de boss, il était difficile. J'ai failli mourir. Attends, mais pourquoi il y a un point d'interrogation? Ok, pour la mise à jour, ben... Ok, en fait, je peux même pas choisir... Bidger Bird? Mais c'est quoi cette langue? C'est pas de l'anglais, si? Bidger Bird?
te maîtrise. Un jour, les ninjas, envoyés dans les traces de Tin, parvient à informer Lin, malgré une grave blessure. Il lui demande de trouver une certaine refuge et meurt avant d'avoir pu parler de Tin. Lin n'a plus qu'à garder seul les autres et son frère. Eh bien écoutez, on va continuer sur ce chapitre 2, puis après on va arrêter parce que bon, on fait pas le jeu en entier, puis bon. Mais, oh, et le refuge d'Anzo? Oh mais c'est le mec de tout à l'heure! Coucou! Coucou, coucou! Salut, tu me connais? Je suis Kotaro. Iba, le sort semble vouloir nous réunir. Je suis Triangle, Lin. Nous avons doute de la chance d'être en vie. Ce n'est pas vraiment le moment. Pardon, mais je n'ai pas de temps pour les paroles. Adieu. Attends une minute. Regarde. De quoi il s'agit? Une Kinder Bon, la musique, maintenant, elle est gonflante. Hein. J'aimais bien celle du début, mais c'est codé, c'est l'écriture de Genzo. Putain, mais j'adore les gens qui arrivent à reconnaître l'écriture. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, il y en a, c'est leur métier, mais enfin, je suis désolé. Hein. Genzo est sans doute mort. Mais comment... Comment tu... Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas le lire. Oh, pas cher, hein? Pourquoi veux-tu le savoir? Tu ne devrais pas t'en mêler. Je ne peux l'ignorer. Si j'avais une sœur, elle serait comme toi. Bonne? Toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Coquille. Mais je t'en remercie. Merci et pardon. On fera des choses plus tard. Oh. Ah donc ça veut dire que s'il y a deux personnages jouables, il y a une rejouabilité. Lettre codée cigogne obtenue. Attendez, écoutez le bruit. Merde, attends. Alors, commande R1 plus rond, blessé, appuyez vite sur carré. C'est trop complexe. C'est pas ce que je veux, on s'en fout. Alors le rouge, j'ai toujours pas compris. Ah, c'est peut-être juste ça, ouais. Article. Équipé. Donc on a ça. On a les shurikens, on a les machins, ça. D'accord. Bon, on n'a pas eu de nouveaux équipements. Sûrement qu'on pourra changer d'épée. Bon, ben on continue. Par où il faut aller? Qu'est-ce qui se passe? Merde! Combat! Alors, il paraît que c'est des zombies, mais pour l'instant, on n'a pas affronté de zombies, si? Oh! Ou alors, c'est peut-être des zombies, mais on le sait pas. Ninja! Enculé, mais. Oh! Toi! Eh ben non! Ninja! Ninja! Ouais, bon, j'ai compris, le gros shuriken, hein, c'est un peu long à balancer. Hein. Balance pas comme ça. Shuriken. Ah. Bah, mais au revoir, hein, j'ai tué tout le monde, mais... Comment elle court, elle me stresse. Ah, c'est peut-être comme un RPG, on prend un level, là. D'accord, il faut d'abord tuer quand même les gens. Ninja. Oh! Oh, tu l'as pas vu venir celle-là!
Vous auriez pas vu une maison vide? Putain, mais elle, elle a les boots de l'enfer, quoi. Elle lui met plein la bouche. Ah non, mais et ce changement de menu, enfin de... Alors, il faut trouver une maison vide. Ça n'en est pas une, ça? Attendez, comment on fait? Oui. J'ai perdu mes lunettes. Comment on... Putain, mais Putain, mais c'est un village de fou! Non, mais oh! Oh! Eh ben, c'est pas précis pour un sou. Alors j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'ils se relevaient, ils avaient tendance à attaquer direct. Donc il suffit de parer à ce moment-là. Tiens! Ah non, et j'arrive pas à toucher avec cette merde. Mais non, mais c'est un vie. Non, tu peux pas viser, quoi. Merde. Oh! Voilà. T'apprends le respect. Shuriken. Attendez, on va se remettre de la life. Explosif! Oh putain! Elle est où ton machin? Elle est où? Ah d'accord, là on est vers le temple, village. J'ai rien compris, on me. Oh la carte pourrie quoi! Bon, ok, c'est 1999, mais il y a des limites, hein. La musique qui s'excite. T'as entendu ça? Ouais, bon, toi t'en meurs. Mais c'est peut-être des zombies en fait, hein. On le sait. Enfin. Bah, lui il a pas l'air un zombie, hein. Parce que... Ouais, toi t'es faible, toi. T'es agile, mais t'es faible. Ah, ça gratte! Ça gratte le doigt! Tiens! Et ça gratte la oreille. On va peut-être aller là. Bah écoutez, on va tout se faire, hein, de toute façon. Je regarde juste un truc, désolé. Oh putain. Mais ils sont fous. Oh, les jumeaux là. Et oh, mais Oh, ils sont résistants, eux. Ils sont un peu plus résistants. Putain, ce combat d'handicapé, quoi. Ah. Oh putain. Oh non, mais sérieux, mais... Oh. Putain, il a un bâton, lui. Le bâton de berger, file-le-moi. Non, on peut pas l'avoir. Putain, je me fais enchaîner par un vieux, quoi. Pommade? Je sais pas à quoi ça sert. Ah, apparemment, c'est par là, hein. Non, sérieusement, mais à des niveaux... Putain.
Je vois pas par où c'est, quoi, c'est... Ouais, si, maintenant j'ai compris la map, mais... Eh merde, j'ai appuyé sans faire exprès. Puis on peut pas, voilà, on peut pas fuir, hein. Oh! Oh, le doublé! Vas-y, je vais te toucher un jour. Putain, j'ai pas touché. Il est trop fort. Non, mais non, je... Trop rapide pour toi, papy. C'est impossible. Alors franchement, je vous jure, hein, c'est pas de la mauvaise volonté que je fais, hein, mais c'est impossible à viser, quoi. Surtout, je vous rappelle, hein, y a pas de joystick, là. C'est avec des flèches, hein. Bon. Alors, j'espère qu'on va la trouver, cette baraque, quand même. Attends, attends deux secondes, je regarde la map. Ça, on l'a déjà fait, quoi. Voilà, ouais, peut-être tout au bout. On va voir tout au bout, allez. Tiens, 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 voilà. Allez, Juice. Oh, mais il y a des objets en plus. Tiens, tiens, des objets. Eh, ça on l'avait déjà fait, donc pour ça je me demande si vraiment... Cool, des herbes curatives. Mais allez, essaye de toucher quelqu'un, quoi. Non, j'ai esquivé. J'ai touché. Oh. Eh oui, parade. Non, je tape. Oh putain, non, je tape dans le bon sens. Oh putain. Elle... Ah, ce combat de la pauvresse, quoi. Mais non, là. Grognasse. Oh là 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 là. Bah, je sais où il est le village, mais y a rien, quoi. Putain, fais ça pour rien. Mais dégage. Mais allez, tape-le. Enculé. Tiens. Vas-y, relève-toi. Vas-y. Oh, mauvais, va. Oh là. Oh là là là. En fait, le combat comme ça, c'est plus rentable, mais il faut toucher. Putain. Ah, vous m'expliquez d'où vous sortez, hein, parce que bon, au bout d'un moment, j'ai éliminé toute la population. Au moment, je baisse ma garde. Quand de jeu. Oh! J'ai tout.
À un moment, elle a fait un dash avant. Mais j'apprends des super coups, mais je sais pas quoi, comment les activer. Oh! Attends. Non, déjà tu m'enchaînes pas. Voilà. Tourbilol! Oui! Tu es impressionné par mon talent. Alors par contre, j'ai vu qu'elle pouvait maintenant faire un petit coup comme ça. Bon, c'est du grand n'importe quoi ce jeu, c'est du grand n'importe quoi. On va peut-être ranger son truc et on va voir avec les gens là s'ils savent pas un truc. Oui, mais la mère, on s'en fout. Attends, qu'est-ce qu'il dit? On n'est pas sur la place, là? Ah, peut-être par là? Je suis con, ça paraissait logique. La fameuse porte qu'on n'a pas pu voir là. Non, pas ça non plus. Fallait marteler X quoi. Oh putain. Je dois vérifier toutes les maisons. Ah, j'ai que ça à faire. Ça dit temple. D'accord. Oh putain, attends! Oh mais mes chers amis, si c'est un combat de boss. Ah oh, ça peut être qu'un boss ça. Gonzo, on vous dit mort. Je suis content de vous voir sauf. Lune. J'ai un masque. Tu peux venir? Ok. C'est... Oh putain, c'est un combat de boss! Enculé, mais... Tiens! Ah d'accord, oui, donc effectivement il y a bien des techniques. Oh. Ah ben oui, on peut dasher. Oui mais là j'ai plus de vie. T'as même pas un continue Vous savez ce que j'aime dans les rétro guides, c'est ce côté où on est totalement au schnapps, donc déjà pour dire quelque chose du jeu, bah c'est toujours compliqué, hein, je peux pas vraiment vous dire, surtout quand je connais pas le jeu. Mais c'est surtout de découvrir à quel point c'était super bien programmé. Le coup de mourir comme une merde et t'as pas de continue, on te propose pas de recharger ta sauvegarde, non, t'es obligé de revenir au menu, tout ça, c'est un plaisir. Alors que penser de ce Ronin Blade, parce que c'est une vraie découverte pour moi. Bah c'était sympa.
Sauf que c'est hyper difficile à jouer, enfin, c'est pas précis pour un sou, hein. Je vous jure, j'ai pas fait exprès de balancer mes shurikens un peu partout. Assez dur, je pense, ce jeu, parce que, enfin, là, le boss, il tapait extrêmement. Bon, après, je cache pas que je voulais vraiment essayer de toucher avec mes trucs, mais en fait, tu pars constamment et tu t'en sors. Le jeu, je pense que, mais il doit se corser pas mal. Après, gros point noir, et pour moi c'est le coup de, on a des nouvelles techniques mais c'est pas dit comment on les enclenche. Vous avez vu là le coup du dash, je l'ai appris qu'à la fin quoi, vraiment, mais au pif. Du coup bon, c'est pas trop de perspective. Maintenant je vous cache pas que c'est un jeu fait par Konami qui est encore moins je pense que lui il est encore moins connu que merde, Ring of Red, que je vous avais montré, qui était excellent, lui, comparé à celui-là. Mais lui, je pense qu'il est encore moins connu de l'éditeur Konami, parce que c'est vrai que Konami, on parle plus d'autres jeux que celui-ci. Donc, ouais, découverte assez unique. Je vous laisse... Enfin, vraiment, je vous invite à le découvrir par vous-même. Je vous rappelle, hein, c'est un jeu émulé, donc du coup, bon, bah, ça, c'est facile à trouver. ROM Station, au moins, c'est sur PlayStation 1, c'est stable. Mais bon, j'ai kiffé, je me suis marré, je suis désolé hein, pour les accents, désolé de pas forcément vous dire plus de choses, mais bon, c'est comme ça, c'est ça le rétro guide, hein, c'est de la découverte pure, hein, donc bon, du coup, je suis comme vous, hein, je suis un petit peu décontenancé. Bon, bah écoutez, bah, je vous retrouve pour un prochain mercredi, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà connu ce jeu, si vous l'avez fini. Bon, moi ça me donne pas envie de le finir, hein, parce que bon, bah... Bon, la musique est lourde. Hein. Au bout d'un moment, la musique est lourde. Enfin bon, écoutez, je vous laisse le découvrir et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau rétro guide. Allez, ciao ciao.